Ah, c'est passionnant, je crois. Tu vas faire la 4. Tu vas faire la 4. Ouais, ouais. Pèse une fois. Tu peux lâcher. Tu peux changer de thème, même. Ah, c'est une musique de. C'est au Game Boy, ça. C'est au château Game Boy qui a cette musique-là. Bien joué. Tu te rappelles le level 3? Ouais, ça, si tu la touches qui flash à combat, mais si tu fais ça, ouais. Ça marche pas! Eh non. Ça, c'est un clip. Toujours une affaire dans chaque pièce. Ben, maximum. Donc, oh, ils ont amélioré côté dessin, ça. Wow! Alex le ninja. Ben, voyons donc. Là, ouais, ça se peut être. Ouais, tu peux te mettre le boomerang à place d'autre. Mais l'arme était là-bas, ça c'est la fin du tour. Ouais, c'était même dans celle-là. Mais là, tu triches? Ouais, ça va. Deux filles! Wow. Ouais, ton Zelda 1 est bien derrière toi. C'est par là. Il n'a même pas les mêmes moves. Je connais pas. Avec une musique bizarre. Moi je la connais, c'est toujours Game Boy. Mais la tour, je pense qu'il y avait cette musique-là. Qu'est-ce que tu as fait? Il n'y a pas de fenêtre là. En bas. En bas à gauche. Ça fait quand même du bruit d'entendre d'autres musiques que la musique de donjon que tu entendais plus loin. C'est ton boomerang, ok. Ça n'en a pas besoin. Ah. Ton boomerang marche-tu pour ça? Avant, il marchait pas, mais assez bien, assez gentil. Ouais, ça compte pas comme le temps. Il manque des clés partout. Ben, t'en as 10. Ouais. C'est toi. Ouais, celle-là, t'as pas le choix. C'est en bas qu'il y avait. Avant, t'avais le radeau juste en bas, tu sais. Colin, t'as un ninja, tu peux les tuer n'importe comment. Hein? Ça leur touche. C'est vrai, c'est plus facile qu'avant. Juste parce que l'angle de. Ouais, l'épée, elle fait un arc. Ouais. C'est comme beaucoup plus facile. En bas. Tu m'écoutes pas. Descends parce qu'elle va se fermer derrière toi, puis tu vas être obligé de refaire tout le temps. T'as débarré, toi. Ça en donnait 4. Oh, les palmes! Donc, à la place d'un radeau, maintenant tu peux nager dans l'eau. C'est ça que ça veut dire. Comme au super. Tu as les flippers! Le dauphin. Plusieurs dauphins. Parce qu'il y a un S. Ah, ouais, très bien. C'est quoi ça? Tu entends bien? C'est ok. C'est mon interprétation. Bon. Ici à droite, t'avais la bombe que t'as laissée tantôt. Je sais pas si ça va réapparaître. Ouais. Merci. Tu peux tuer. Apporte-tu barré en bas? Devrais pas. Ah, c'est bien. Avant, t'es barré. Là, tu vas en haut. Ici.
fin, parce que c'est la seule branche qui me reste à faire. Sinon, c'est le monde, c'est à droite. Vous êtes déjà tué. Là, juste en haut. Je sais pas ce que ça va donner. Ouh! As-tu réussi ce puzzle de morceaux, Alex? Je suis impressionné. Est-ce que tu savais qu'il y a... Ah ben oui, on sait, Alex l'utilise depuis tantôt, monsieur. Stupide. Mais non. Pas stupide. Et c'est fou comment c'est juste... Ça occupe le même espace, mais c'est beaucoup plus détaillé que les messieurs dans Zelda. Ok, fait qu'on a tout fait ça pour avoir un truc, pour se faire donner une clé, mais ça nous a dépensé une clé, elle est là. Nice. Mais il y avait un gars qui prenait un truc. Mais oui, mais t'as appris un truc. Il a appris un truc. Je sais pas pourquoi tu le savais déjà d'ailleurs. Parce que il y avait pas ça dans Zelda 1, là. T'es pas supposé savoir ça. C'est comme si t'avais joué au Super Nintendo, je comprends pas. Comment pas? Bon. Bon, on va prendre notre trou. Non. Il a mis ses deux clés, pardon. Je pense qu'il restait un truc en haut que t'avais pas été. Ouais. De la chance, tu vas peut-être ramasser un cœur. Ah, la map. Un peu. Trop peu, trop tard, la map, hein. C'est... Ouais, faut aller en bas. Yep. Mais l'avantage, c'est que ça prend pas de clés. Puis ils sont vraiment faciles avec ton truc. Ah, t'as payé les deux d'un coup. Et voilà, il t'a donné un cœur puis une bombe. Tu peux pas avoir des méchants plus gentils. Mmh. Ça, c'était les espèces de fantômes, mais pas fantômes, mais c'était juste des blobs. Mais c'était brun. 5 sous. Merci beaucoup. Ah, une bombe bien placée au milieu, une bombe bien placée au milieu. Il bouge pas vite. Il bouge pas vite, ça lag, ça va être facile. Et... Yeah! Merci pour le slow-mo. Et voilà. Le troisième level est terminé. Et on se revoit dans un prochain épisode où ce qu'on va aller chercher la Master Sword et aller affronter Ganon.